C'était le brave chaton. Il y avait un petit chaton avec un loup. Un loup? Oui. Allez, tu finis tout, hein? Coucou. Bien dormi? Oui, j'ai enfin trouvé une position grâce à mon coussin de grossesse. Ça va, toi? Oui. Et toi? Pas trop mal. Tiens ton café. Merci. Dis-moi, c'est pas aujourd'hui que t'as ton rendez-vous avec ton patron? Si. Pourquoi? Bah, t'as pas mal grincé des dents encore cette nuit, hein. Je me suis dit que t'étais un petit peu stressé. Ah ouais? Bah, c'est vrai que ça me travaille un peu, hein. Plus de temps que j'attends cette promotion. Mais enfin, faut pas, tu sais très bien que ça va bien se passer. J'ai reçu le devis du menuisier, tu veux voir? Ah ouais. Bonjour les enfants. Coucou maman. Bonjour Céline. Bonjour ma chérie. Coucou maman. Ok, ça fait 400. C'est pas mal, en plus t'as fait la remise dont on avait parlé, ma. C'est chouette. Bah oui, je suis contente. Et ils peuvent commencer lundi, on valide, non? Ok, mais tu peux t'en charger. Faut pas que je traîne, j'ai ma réunion aujourd'hui. Ah, oh, mais il est déjà 8h. Camille, mais dépêche-toi. C'est pas vrai, t'as vu l'heure, t'as rien mangé. Mais j'aime pas les morceaux. C'est bon les fruits. Ouais, en plus, il y a de la fraise et de la pêche. Bon, insiste pas. Un coup, c'est la soupe qui est pas assez lisse. Le lendemain, c'est les pâtes qui sont mélangées avec la sauce. Il y a toujours quelque chose. C'est comme son oncle Martha. Il a toujours eu des problèmes avec la nourriture. Bah, tellement difficile qu'il peut pas mettre un pied dans un restaurant. C'est bien qu'on ait réussi à le convaincre pour demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Bah, demain, c'est l'anniversaire de tonton Martin et on va tous ensemble manger au restaurant. Oh, mais t'as rien mangé! Bon, allez, va t'habiller, je vais finir. Sinon, nous, non. Encore nous faire une crise au resto. Oh non, c'est trop dommage. Au pire, on la fera manger avant. Maman! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire à ces pauvres médicaments? Mais comme ça, c'est plus facile à avaler. Bah, je suis pas sûr que vous soyez censé faire ça, Sylvie. Hein. Bah oui, il y a la moitié qui va rester sous le pilon, là. Question de dosage, c'est pas terrible, terrible. Bah, je voudrais bien vous y voir. Hein? Cancer de la gorge, j'ai manque de salive, j'arrive de moins en moins à avaler. Je te jure que ça devient de plus en plus pénible. Maman, tu me donnes ton ordonnance, je vais passer à la pharmacie. Il doit bien y avoir une poudre ou je sais pas. Tu dois pas être la seule à avoir du mal à avaler tes médicaments. Ok, ok, ok. Et notre Émilie? Elle est toujours en train de ronronner dans son lit? Ronronner? Ronfler, vous voulez dire. C'est un vrai marteau-piqueur, notre Émilie. D'ailleurs, je vais la réveiller, là. Faut pas que je sois en retard aujourd'hui. Elle ronfle toutes les nuits, maman. Et le matin, elle se réveille, elle est fatiguée. Tu crois que ça a à voir avec son ronflement? Peut-être, je sais pas. Allez, debout là-dedans. C'est l'heure, ma grande. Quoi, déjà? Allez, allez. Tu te lèves, tu t'habilles, là, tu vas prendre ton petit déj. Ça va, les filles? Oui. Voilà, c'est signé, chérie. Merci, maman. Il faudra pas oublier le pique-nique pour demain. Ah oui, j'avais oublié. Mam, tu pourras t'en occuper? Bah oui, bien sûr. Merci, mamie. Qu'est-ce qu'elle a grandi, hein? Je trouve aussi. Mais t'es pas encore allée soigner ta dent, toi? Bah non, tant que je suis enceinte, je peux pas. Mais enfin, t'es presque à terme, tu risques rien avec le bébé. Bah justement, vu que c'est bientôt fini, je préfère attendre. Puis je trouve ça cher aussi. Mais tu risques rien. C'est pas parce que t'es enceinte que tu peux pas aller chez le dentiste. Et puis il paraît que maintenant, ils remboursent presque tout, même les couronnes. Hein? Ouais, je sais pas, faut que je les appelle. Maman, je peux avoir des céréales, s'il te plaît? Mais dis donc, dis plus bonjour, toi. Bonjour, ma chérie. Coucou, mamie. J'arrive, chérie. Non mais pilonnage de médicaments, elle avait fort ta mère là. Arrête, tu sais très bien qu'elle a du mal à avaler ses médicaments depuis la fin de sa radiothérapie. Bah, je comprends toujours pas comment elle a pu choper un cancer de la gorge. À 2 clopes par jour, c'est presque rien. Quoi. Mais ils disent qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi cette histoire de papillomavirus. Papillomavirus? Comment elle a rattrapé ça? Sérieux? Mais tu veux que je te fasse un dessin? Non. Elle était pas vaccinée, ta mère? Mais non, ça n'existait pas à l'époque. Ok. Bon, j'y vais. Faut pas tes filles? Oui, elles sont en bas avec ma mère. Hé, je pense à toi pour cet après-midi. Thank you.
Allez, ton sac est prêt? Émilie, ouh! Ton sac est prêt, ma puce? Oui, oui. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. À ce soir, maman. À ce soir. Allez, viens, chérie, dépêche-toi. Thank you.